que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit sur vous tous. Na amani ya Bwana wetu Yesu iwe juu ya ninyi wote. Bon, écoutez la parole du Seigneur. Tutasikiliza neno ya Bwana. Et prêtez votre attention à tout ce qui sera dit aujourd'hui dans la maison de Dieu. Na mpate kuteka angalisho yenu kwa yote litasemezea leo mu nyumba ya Mungu. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Bila kukawia tutachukua Biblia zetu. Et nous les ouvrons dans le premier épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Na tunafungua mubarua ya pili ya Petro. De Pierre. Petro ya pili. Le premier chapitre. Sura ya kwanza. Et nous allons lire du premier au treizième verset. Tutasoma ile mustari ndogo wa kwanza paka mustari ndogo wa kumi na tatu. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tout vos efforts pour joindre à la foi la vertu à la science la tempérance à la patience la piété à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont dans vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cela en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 13. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Amen. Bien-aimés, nous proclamons la parole de Dieu avec un seul but. Vous êtes sans ignorer que l'Église est en position d'attente. Et c'est l'attente du Seigneur Jésus-Christ kwa Bwana Yesu Kristu, qui doit bientôt enlever l'Église. Yule anapasha kunyanyua sasa hivi kanisa. Je vous l'ai dit comme je vous l'ai toujours dit. Na nilisema vile minasema kila wakati. Que parmi les priorités de Dieu. Ya komba katikati ya maneno ya juu ya Mungu. Les chrétiens de notre siècle doivent savoir. Wa Kristu wa wakati ya leo anapasha kujua. Qu'il y a un temps fort que nous attendons. Ya komba kuna wakati mkubwa ile tunayachunga. Et c'est le temps de l'enlèvement de l'Église. Na ni wakati ya kunyanyuliwa kwa kanisa. Alléluia. Amen. Jésus notre Seigneur revient. Yesu Bwana wetu eko narudi. Et parce qu'il revient, na vile eko narudi, quelle doit être notre position par rapport à son retour, par rapport à l'enlèvement? Na aliye tunapasha kuwa je kufuatana na kurudi kwake na kufuatana kwa kunyanyuliwa kwa kanisa. Moi je dis même. Na mimi nasema tena. Quelle doit être la qualité des enseignements na ni nini napasha kuwa ile mafundisho
que nous devons partager ile tunapasa kugawanya par rapport au retour de Christ. Kufuatana na kurudi kwa Kristo. Alléluia. Amen. Il y a eu des temps qui se sont passés dans ce monde. Kulikuwa mawakati ilipita duniani hapa. Le temps de la fondation de l'église. Wakati ya kutia misingi ya kanisa. Et il y a le temps actuel. Na kuna wakati ya leo. Le temps même. Wakati ile de l'enlèvement. Ya kunyanyuliwa kwa kanisa. On ne restera pas toujours dans la préparation. On doit rester aussi dans la position de l'enlèvement. Mes frères, sans vous tromper, ce jour arrive. Mais c'est le grand jour, le jour des grandes surprises. Si, kama, en tant que votre conducteur, kama mongozaji wenu, je ne vous le révèle pas, misi wafunulie, je ne vous avertis pas, misi ende kuwakebesha ange, Dieu pourra me demander des comptes. Mungu ateniomba mahesabu, comme une sentinelle. Kama yule nzamu, mais si je vous rappelle, na kama si je vous révèle, kama mimi nafunulia, et que quelqu'un na mutu manque anakosa à cet appel là ce jour-là, kwa ile mwito na kwa ile siku. La Bible elle-même dit son sang Biblia nasema damu yake tombera sur lui-même. Iko juu yake mwenyewe. Aujourd'hui, na leo, je donne un enseignement. Mimi naleta ile mafundisho. Et c'est un enseignement apostolique. Na ni mafundisho ya kitume. Lorsque l'église a commencé, wakati kanisa lianza, la Bible dit, Biblia nasema, ils étaient tous ensemble, walikuwa wote pamoja, et ils persévéraient. Na walidumu dans la prière, mumaombi, dans la fraction de pain, mukugawanya mkate, et dans les enseignements des apôtres. Na mumafundisho ya mitume. Je ne sais pas aujourd'hui na mimi sijui leo, si c'est ça même l'état de l'église, kama ni ile inakuwa hali ya kanisa, si l'on persévère dans cet état-là, kama tukuna dumu ba ile maneno, ou Satan a changé les choses. Wala shetani anabadilisha maneno hii. Un enfant de Dieu Toto wa Mungu doit aussi connaître anapasha pia kujua sa priorité ile maneno yake inakuwa ya bei dans le Seigneur ndani ya Bwana. Je vais parler comme a parlé l'apôtre Pierre. Natasema kama vile mtume Petro alisema. Et je voulais toujours dire, mimi nasemaka kila wakati, c'est notre pasteur à nous tous parce que c'est le premier pasteur. Anakuwa mchungaji wetu sisi wote kwa sababu ni yeye alikuwa mchungaji wa kwanza. En lisant ce texte, hein, kwa kusoma usomi hii, vous comprendrez, mtaelewa, qu'il parle ya kwamba anasema comme le pasteur de l'église primitive. Kama mchungaji wa kanisa za kale. Avec cette autorité, na ile mamlaka, il avertit l'église. Anakebesha angi kanisa. Bien sûr, il y a la salutation. Akika kuna kwa ile masalamu. Par cette salutation, l'apôtre déclare kupitia ile salama mtume anasema, à vous tous qui avez reçu la foi du même prix que nous. Kwa nini wote mulipokea imani ya bei moja pamoja nasi? Ils ont reçu la foi en leur temps. Walipokea imani wakati yao. Et nous avons reçu la foi en notre temps. Na sisi pia tunapokea imani kwa wakati wetu. Mais il déclare, lakini anasema, que c'est la même foi, le même prix de cette foi. Nous l'avons reçu. Dieu n'a pas fait de différence. Il ne leur a pas donné plus et que nous, il nous a donné moins. Il nous a donné la même chose. Ça, ce sont les salutations. Et à la fin, j'ai voulu souligner ça pour comprendre comment l'apôtre a parlé. J'ai le devoir de vous tenir en éveil. J'ai le devoir de vous avertir par rapport à cette foi, à cette vie, la vie de Dieu que Christ est venu nous communiquer. Ile uzima wa Mungu le Kristo anakuwa kutuambukizia. J'ai le devoir de vous rappeler ces choses. Mina mapasho ya kuwakumbusheni maneno haya. Bien que vous les connaissez déjà. Ingawa mnayajua zamani.
Il y a beaucoup de connaisseurs. Kuna watu wengi wanajua. Ce que je dis ici, na ile minasema hapa, je me rappelle quelqu'un a déjà prêché ça ici. Na mina kumbuka kuna mtu anakusha kuyahubiri hapa. Pas une fois. Aiko mara moja. Vous l'avez déjà entendu plusieurs fois. Munakusha yasikia mara mingi. Vous l'avez déjà aussi lu dans vos propres Bibles. Na munakusha kuyasoma ndani ya mabiblia zenu. Mais notez une chose. Lakini mwandikeni kitu kimoja. Lorsque Dieu parle, wakati Mungu anasema, et qu'il s'arrête sur un point, na anasimamisha juu ya nukta moja. Écoutez bien, sikilizeni vizuri, et comprenez, na muelewe, que c'est pendant ces temps-là, ya kwamba ni kwa ile wakati, que Dieu veut que vous vous conformez. Mungu anapenda mujininganishe na ile maneno. Gloire au Seigneur. Amen. Quel est l'enseignement? Ni mafundisho gani? Le thème? Kishina? Pendant que j'écoutais l'esprit du Seigneur, wakati nilikuwa namsikiliza roho wa Bwana, je l'ai intitulé comme ceci. L'entrée dans le royaume de Dieu. Kuingia mufalme wa Mungu. Donc c'est juste le verset qu'on a lu. L'entrée dans le royaume de Dieu vous sera pleinement accordée. Asema kuingia mufalme wa mbingu itatupewa kwa utele. Donc comme thème j'ai dit, manake kama kishina minasema, je parle de l'entrée, minasemeza kuingia, la pleine entrée dans le royaume du Seigneur. Kuingia kwa utele katika ufalme wa Bwana. Et en écoutant cette parole, nako kusikiliza neno hii, vous comprendrez, utaelewa, que cette entrée-là, asema ile kuingia, est différente. Inakuwa tofauti. Il y a ceux-là, kuna wale, qui cette entrée, wale wadingia, leur sera pleinement accordée. Itawapewa kwa utele. Il y a alors les autres, kuna wengine pia, dont cette entrée, ile kuingia kule, leur sera accordé, itawapewa, mais alakini, pas pleinement, mais peut-être aina kwa utele kusa zingine, partiellement. Kwa upande tu. Et c'est si je m'en vais déjà vous plonger dans les Écritures. Na kwa ile mimi naenda kwa wengine mu maandiko. L'apôtre Paul dit, mutume Paulo anasema, j'ai posé un bon fondement comme un sage architecte. Ninatia msingi mzuri kama mjengaji mwenye hekima. Mais un autre bâtit dessus. Alakini mwingine anajenga juu yayo. Sur les fondements, tu as les msingi, tout le monde bâtit. Mais les matériaux vyombo, avec lesquels chacun de nous bâtit, na c'est ce qui fait la différence. Na quelqu'un bâtit avec de l'or. Na ile zahabu, un autre mwingine, avec de l'argent. Anajenga na feza, un autre mwingine, avec du bois. Anajenga na kuni, un autre mwingine, avec de la paille. Anajenga na ile un majani, autre mwingine, avec du chaume. Na ile majani tena ingine. Mais il dit quoi? Lakini anasema nini? L'œuvre du chacun sera éprouvée. Kazi ya kila mmoja itapimiwa. Vous voyez déjà la différence. Na mnaona tofauti. Nous ne serons pas le même dans le royaume des cieux. Hatutakuwa wa mmoja mufalme wa mbingu. On passera par l'épreuve du Seigneur. Tutapita kwa kipimo ya Bwana. Voyez, mnaona? Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, si l'œuvre de quelqu'un, kama kazi ya mtu, est consumée par le feu, inateketezwa na moto, il va entrer dans le royaume, ataingia mufalme, mais il n'aura pas de récompense. Lakini sitakuwa na ile malipo. Mais si l'œuvre de quelqu'un, lakini kama kazi ya mtu, est éprouvée, inapimiwa, et résiste au feu, na inashikamana mbele ya moto, il aura la récompense. Atapata ile malipo. Qu'on ne vous trompe pas. Basi wadanganye. Dans le royaume des cieux, ufalme wa mbingu, il y a la différence. Kuna tofauti ama achanisho. Si je prends seulement les 12 apôtres de Jésus-Christ, kama mnachukua tu wale wa mitume 12 wa Yesu, savez-vous que, mnajua ya kwamba, la Jérusalem céleste, ile Yerusalemu ya kumbinguni, à chaque fondement, kwa kila msingi, il y a le nom des 12 apôtres. Kuna majina ya wale wa mitume 12. Les 12 apôtres, nous ne sommes pas comparables à eux. Ils ont été eux-mêmes le fondement de notre église. Et ce sont eux qui nous ont communiqué cette foi. S'ils avaient failli, nous ne serons pas chrétiens aujourd'hui. Écoutez ce que l'Esprit m'enseigne. Mes frères, mes sœurs, oh, je rends gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'enseigne. Je l'avais même dit en passant un jour ici. Regardez, les apôtres que Dieu a choisis pour nous transmettre la parole de Dieu ou cette vie. Cette vie ici, la vie de Dieu. La vie de, en Christ. Ile maisha ndani ya Kristo. Quand Dieu les a appelés, wakati Mungu aliwaita, frère, ndugu, il les a appelés, aliwaita, sans tenir compte, bila kuangalia, de ce qu'ils étaient, ya ile walikuwa, en leur temps,
c'était des gens très simples. Et si on peut les comparer à notre monde aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'étaient pas intellectuels. C'est la vérité. Même si aujourd'hui, nous disons que Paul était intellectuel, il avait quel doctorat comme les docteurs d'aujourd'hui? Il avait fait quelle université comme aujourd'hui? L'apôtre Paul. Matthieu était intellectuel, il était au péage parce qu'il travaillait au péage. Qui connaît le niveau de leurs études? Allez comparer ça à notre temps ici, où les hommes plongent dans des recherches encore et toujours. Ce sont ces gens-là que Dieu appelle. Moi je crois que l'université de Pierre qui nous parle ici, il avait fait la science de la pêche. Jean, Yohane, Jacques, Jacobo, ces éminents serviteurs, leur grande connaissance qu'ils avaient, c'était pêcher le poisson. Classer un peu les pêcheurs de poissons aujourd'hui par rapport à ce que nous sommes. Voyez? Et le Seigneur les appelle. Il a commencé à les enseigner. Après les avoir enseignés, ils nous ont transmis ce que le Seigneur nous les a enseignés. Avec quel niveau d'études? Maintenant, le Saint-Esprit m'enseigne. Regardez. La parole que nous lisons ici, eux, ils n'en avaient pas. Ils n'avaient pas de Bible. Ils n'avaient pas de références bibliques. Ils n'avaient pas de concordances. Et toute la littérature chrétienne que l'on peut penser avoir, que l'on peut penser nous donner l'intelligence et tout. Ils n'avaient que la parole dite. Donc le Seigneur parle, c'est cette parole qu'ils avaient et c'est cette parole qu'ils nous ont transmis. Vous voyez? Voyez un peu ces gens-là. Quelle a été leur marche et quelle a été leur fin? Moi je sais que leur marche et leur fin étaient un succès et jusqu'à présent, c'est un succès. Mais nous aujourd'hui, nous avons des Bibles. J'entends les gens se glorifier même que j'ai lu la Bible, j'ai lu tout. Je suis un grand lecteur. Comparons-nous un peu à eux qui n'avaient pas de Bible. Ils ont réussi. Maintenant, nous-mêmes, avec nos Bibles et avec tout ce qui nous accompagne là. Frère, j'ai compris que dans le Seigneur, c'est la parole qu'un homme reçoit et qu'il garde. C'est ça, la vraie vie de l'homme. Comme eux-mêmes, ils ont reçu de Christ la parole qu'ils ont gardée. Et voilà l'héritage qu'ils nous ont transmis. Aujourd'hui, nous sommes sauvés à cause de l'intelligence spirituel de ces gens-là qui n'avaient même pas de qualité comme ce que les hommes ont dans ce monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un que si, d'ailleurs, à un moment donné, la Bible dit que il y a un temps où les hommes mourront de faim. Comment? Parce que la parole de Dieu disparaîtra. La vraie parole, c'est celle dont je vis. Parce que je vis comme Dieu a dit. Là, je suis semblable aux apôtres qui ne marchaient pas avec la Bible pour dire, frère, est-ce qu'on peut partager la parole? Et tu ouvres. Ils n'ont pas prêché comme ça.
Parce qu'ils ont fait de cette parole-là de leur vie, Ce qui est différent avec nous, ça veut dire quoi? On ne fait pas de la parole de Dieu toute notre vie. On ne fait que se battre avec la parole. Beaucoup obéissent, tu n'obéis pas. Fais ceci. Non, frère. L'œuvre de Dieu ne serait pas là aujourd'hui si les apôtres étaient naïfs comme notre monde aujourd'hui. Voilà. J'ai au moins 6 points, si vous voulez, 6 leçons. À connaître par rapport à cet enseignement. Et ceci aidera quelqu'un qui écoute aujourd'hui par rapport à son entrée dans le royaume du Seigneur. Sans vous tromper, frère, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Mais si tu es là, ce sont des signes qui témoignent que Dieu t'appelle pour entrer dans son royaume. Mais il faut que tu y entres. Et pour que tu y entres, il faut que tu observes ce que nous venons de lire ici. Il faut que ces vertus soient en toi. Ça doit sortir du livre et être dans, sur les livres qui est, comment je vais dire, dans ton cœur, ou plutôt sur les tables de ton cœur. Je ne terminerai pas les 6 points. Je vais parler, je vais donner une partie. Prochainement, je vais continuer. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Le premier point, mes bien-aimés, je parle de la divine puissance de Dieu. C'est pas pour rien que la Bible témoigne. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Lorsque le Seigneur nous appelle, nous devons savoir qu'il y a quelque chose qui vient entrer dans notre vie. C'est premièrement la vie et la piété. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu, pour qu'elle soit en nous, elle ne peut que y demeurer par la piété. Gloire au Seigneur. Amen. Par la piété. Frère, on ne peut pas d'abord sauter et penser que non, voilà, Dieu. Si on se rend compte, si on ne se rend pas compte que d'abord, en moi, il y a la vie. Excusez-moi, il y a la vie de Dieu. Et deux, il y a la piété. Or, vous le savez, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul le dit aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, je cite en passant, voici, frère, ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez pas marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Il y a un changement qui se passe dans la vie du chrétien lorsqu'il reçoit Christ. Il doit se passer quelque chose, c'est automatiquement un changement de vie.
Quelqu'un vivait selon ce monde. Mais une autre vie vient entrer en lui et c'est la vie de Dieu. Et quelle est cette vie de Dieu, frère? Je viens de le dire ici. C'est la vie selon la piété. Mais cette vie-là, elle vient en nous pas n'importe comment. Écoutez-moi. Un Pierre, on fait feuillette juste à gauche. Un Pierre, le premier chapitre. 3. Chapitre 1, 3. Chapitre 1, le verset 3e. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lesquels vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, étiez gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Nani munalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari wakati ya mwisho. Ce sont des choses qui se passent dans la vie de Dieu par la puissance de Dieu. Inapitikana mu maisha ya Mungu na kupitia uwezo wa Mungu. Si Dieu, kama Mungu, a usé de sa puissance, alitumia ile uwezo wake, c'est pour nous donner le salut. Ni juu ya kutupatia wokovu. C'est pour nous donner un héritage, comme il est écrit, qui ne peut ni se corrompre ni flétrir. Ni Dieu kutupatia ile uriti, haiwezi wala kuharibika wala kupungukiwa. Qui nous est réservé dans les cieux. C'est ça ce que j'appelle dans le royaume des cieux. Voyez. Mais comment cette puissance-là agit? La Bible dit, béni soit Dieu notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante. Nous sommes nés dans le Seigneur, ou nous naissons dans le Seigneur par un processus que nous devons très bien connaître. C'est par la régénération. Comment se passe cette régénération? Évidemment, c'est une nouvelle naissance. Regardez. Pour que Christ vienne sur la terre ici, il n'est pas venu selon la sagesse humaine. Mais il est venu par la puissance de Dieu. Parce que le message est annoncé à sa mère dans la chair, Marie. L'ange lui dit, bon voilà, tu vas concevoir. Mais Marie me dit, mais comment cela se fera-t-il? Je suis vierge, etc. Mais l'ange lui dit quoi? La puissance de Dieu viendra sur toi. Et le Saint-Esprit te couvrira de son ombre, je crois que c'est comme ça. Voyez, c'était une action qui ne pouvait pas être contrôlée par un homme ou par n'importe quelle institution de ce monde, jamais. Et même encore aujourd'hui, il n'y aurait pas de machine ou une science qui peut comprendre comment la chose peut se faire. C'est juste la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pris une semence incorruptible qu'il a déposée dans le ventre de Marie et qui a évolué dans toute sa puissance. C'est ça même la vie de Christ, frère. Il n'est pas venu par l'ADN d'un homme quelconque pour
pour hériter les faiblesses de ce monde, où toutes les malédictions de ce monde dont nous voyons aujourd'hui. C'est la semence divine et puissante de Dieu que Dieu a déposée. Et c'est de cette manière-là que Christ est né. D'une naissance incompréhensible jusqu'à aujourd'hui. Notre sœur Marie est vraiment un grand témoin. Parce que les hommes douteront, mais Marie. Elle-même, elle a témoigné de ça. Maintenant, nous, chrétiens, lorsque nous acceptons Christ, frère, c'est le même processus, c'est la même semence qui vient en nous et qui va opérer la transformation. De la même manière que ça s'est passé au travers le Seigneur lorsqu'il est né dans la chair. Pas c'est une semence incorruptible. Et personne ne peut la suyer. Vous voyez? S'il y a un chrétien qui le devient, par cette puissance de la régénération, il sera chrétien, stable et aussi puissant. Parce que c'est ça la semence qui t'a régénéré. Tu ne seras pas un chrétien qui aujourd'hui, on voit que tu changes de camp ou tu changes de nature, non. Parce que tu viens automatiquement de la nature divine. Que personne ne pense pas que cela est impossible. Parce que Marie pensait que ça pouvait être impossible, mais cela a été possible. Donc la divine puissance de Dieu, c'est la première chose, le premier traitement dans la vie de celui qui vient à Christ. Et c'est cette puissance-là qui nous donne tout ce qui contribue à la vie de Dieu et à la piété. Un chrétien, on va les lire par la vie de Dieu qui est en lui et par la piété. Gloire au Seigneur. Amen. Ça, c'est le premier élément ou la première leçon. Il est inakwa ni nukte ya kwanza ama somo ya kwanza. Et pendant que nous parlons, na wakati tukunasema, quelqu'un peut se regarder très bien. Il peut se dire, par exemple, anaweza kusema kwa mfano, mais pourquoi il y a la corruption en moi? Pourquoi la vie de Dieu en moi n'est pas là? La réponse est que il faut rentrer à l'origine. De quelle manière as-tu été régénéré? Et Dieu facilitant les choses. Il ne nous demande pas beaucoup. Si tu crois réellement en Christ, tu crois que Jésus est Seigneur. Frère, au même moment, Dieu envoie cette puissance-là. Et c'est cette puissance-là qui va agir pour que tu puisses vivre la vie de Dieu et marcher et vivre dans la piété. La deuxième leçon, la Bible dit au verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dans ce monde où nous sommes,
Et vous le savez tous, qu'il y a la corruption qui existe par la convoitise. Nul ne l'ignore. Nous sommes dans un monde corrompu. Du temps de Noé, la Bible dit que toute la terre était corrompue. Corrompu parce que les systèmes du monde du temps de Noé étaient pourris. Il n'y avait rien de propre pour Dieu. Il y avait tout était sale et souillé. Un autre monde a existé, le monde de Lot. C'était la même chose. Il n'y avait pas de Je prends notre monde d'aujourd'hui. Entre nous, frères. Dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a la corruption ou non? Moi, je crois, sans froid aux yeux, vous le dire, que c'est le monde le plus corrompu. Face à cet état de choses, nous devons vivre ou nous vivons dans ce monde où la corruption règne et pas seulement règne, frère, elle est favorisée par la convoitise. Comment devons-nous résister? Comment devons-nous résister à cette corruption? Parce que si nous résistons, je vous l'ai dit, c'est alors que nous serons de véritables chrétiens. Voyez? Pour résister à cela, Dieu a voulu nous faire participer à sa nature divine. Il n'y a que la nature divine qui peut nous garder contre la corruption qui est dans le monde. Voyez, non. Au fait, la nature divine ressemble à quoi? Frère, c'est la nature du Créateur. Et cette nature-là, nul ne l'ignore. Le Créateur est saint. Et la sainteté, c'est ce qui est qui remplit sa maison. Savez-vous que même sur la terre où nous vivons, pour reconnaître un chrétien, vrai chrétien, pour reconnaître une église, une vraie église, on ne doit pas les lire par les actions peut-être que les hommes peuvent admirer. Tout comme peut-être on peut dire la puissance, la gloire, Satan peut copier tout ça. On ne peut les lire, frère, que par la sainteté. L'apôtre Paul, Pierre, qui posait le fondement de l'église comme premier apôtre, comme premier pasteur, vous l'entendez enseigner, frère, des choses qui doivent nous garder pour le royaume. Pour qu'un jour, nous puissions nous retrouver avec eux-mêmes, les saints apôtres, nous retrouver avec le roi des rois dans le royaume des cieux. C'est un combat. L'apôtre Paul déclare, j'ai combattu le bon combat de la foi. Et j'ai achevé ma course. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Et mon roi, le Seigneur me la donnera. Pourquoi? Parce que Paul qui déclare ça, frère, il a vu comment il a marché et comment il a achevé sa course.
tous ceux qui nous ont précédés ont fait de cette parole toute leur vie. Au lieu de chercher d'abord autre chose, hein, c'était d'abord la sainteté. Il fallait qu'ils possèdent la nature divine. Or, cette nature nous pousse à la sainteté. Si quelqu'un n'a pas cette nature, il ne peut même pas entrer dans la dans les sanctuaires de Dieu. Même sa prière ne peut même pas entrer. Frère, ne nous embrouillons pas. Beaucoup de gens s'embrouillent dans le Seigneur. Vous voyez quelqu'un qui est chrétien, peut-être en parlant seulement à lui, avec lui, par son langage, tu sens que il est chrétien en quoi? Mais quand vous regardez à ce qu'il fait, vous allez voir qu'il prie beaucoup. Ah, il prie beaucoup. Parfois, il jeûne beaucoup. Toutes ces choses n'ont rien à voir. Hein. Ce qui importe devant le Seigneur, frère, c'est la nature divine. Or, cette nature divine, comme nous lisons ici, nous l'obtenons par la nouvelle naissance. Nous l'avons dit. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle nature. Voici, les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelqu'un qui, frère, on vous montre, on dit, voilà un chrétien. Vous commencez à chercher les défauts en lui. Vous mettrez beaucoup de temps pour les trouver. Et non pas, peut-être, par une réaction, quelqu'un comprend déjà que non, 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 non. Comme j'ai toujours dit, si tu veux tester un chrétien, viens le piétiner fort et voir comment il va réagir. Voyez, provoque-le. Provoque seulement et voir comment il va réagir. Or, nous entendons, frère, dans les bouches des chrétiens et parfois dans des comportements. Je suis allé prêcher quelque part. Après la prédication, un papa m'a suivi. Il vient me dire, pasteur, tous les trois jours que tu as parlé, je t'ai entendu répéter une chose. Et ce que tu dis là, c'est ça le problème dans notre église. Quand tu insistais là, il y a des gens qui ne s'aiment pas. Il y a des gens même qui ne se parlent pas. Et il ajoute, il me dit ceci. La première personne, c'est ma femme. J'ai aimé parce qu'elle était là, elle a écouté. Vous trouvez par exemple un chrétien. Il participe même à la même table du Seigneur. Avec un autre qui n'aime pas. Qui ne parle pas. Voyez, si on pouvait, comme je le dis toujours, ramener même l'apôtre Paul sur la terre ici. Je ne sais pas si les gens vont aller adhérer dans son église. Hein? Voyez, comme je le disais bientôt là, les apôtres Paul écrit, les gens qui viennent étudier la révélation que lui a reçue se retournent contre lui-même. Jusqu'à les juger, beaucoup disent que non. Je le dis parce que j'avais déjà entendu quelqu'un dire que si l'apôtre Paul était dur avec les femmes parce qu'il était célibataire. Un autre dit, avançons.
Mes frères, mes sœurs, un chrétien doit d'abord regarder et savoir si il a la nature divine ou pas. Et la nature divine, il ne peut que ressembler à la semence par laquelle il a été régénéré. C'est la semence de la sainteté. Et il vivra toute sa vie. Gardé par cette puissance. Il vivra dans la sainteté. Vous savez, quand Dieu parfois nous réprimande, nous gronde, la fois passée, j'ai haussé le ton. Ce n'est pas en moi-même. Quelqu'un pense que peut-être non, voilà, il n'aime pas. Il est non, frère. Les soucis, et que quand je vois, par exemple, le peuple de Dieu n'est pas marché conformément à la parole qui lui est enseignée. Si tu es berger, ça te fera mal. Comme un parent qui dit à ses enfants, je veux vous voir à la maison à 18h. Les enfants reviennent à 22h. Il va les acclamer. Voyez, frère, il ne va pas les acclamer. C'est pourquoi Dieu même dit, il nous punit. Et quand il nous punit, il ne nous punit pas parce qu'il ne nous aime pas. Il nous punit pour nous faire participer à sa sainteté. Hébreux chapitre 12. Ce qui veut dire que si quelqu'un ne marche pas dans la sainteté, qu'il sache que Dieu va le punir. Et dans cette punition-là, d'abord, il ne va même pas te donner ce que tu cherches. Jusqu'à ce que tu comprennes que je dois rentrer dans la maison de mon Père. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. La Bible dit quoi? Vous êtes le temple de Dieu où habite le Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et il dit, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Une fois devenu chrétien, je ne suis pas ce que j'étais. Je suis maintenant le temple de Dieu. Ça veut dire quoi? Là où Dieu habite, là où Dieu travaille. Mais c'est quel Dieu, frère? Un Dieu saint qui vient anakuja, habiter kuishi, dans quelqu'un ndani ya mutu, qui n'est même pas encore converti ule bado si abadirika, ou qui croit être converti ule anamina sasa kwa mini, mais qui a un caractère difficile alakini kuna tabia mgumu, ou en qui on peut lire encore les convoitises de la chair wala ndani ki batasoma mwile matama ya mwili. Dieu va habiter là-bas. Mungu ataishi mule. Et le Saint-Esprit, par son nom, vous comprendrez qu'il s'appelle déjà saint. Il est saint. Et c'est lui qui doit vivre dans son temple. Ce temple-là, c'est moi. Est-ce que je vais me permettre à mentir? Je peux me permettre à haïr quelqu'un? Ou avoir un cœur qui n'est pas conforme au cœur qu'il veut, parce qu'il veut le cœur pur, un cœur qui, quand Dieu veut agir, il agit, le cœur est pur. Dieu nous a voulu nous faire participer à sa nature. C'est pourquoi même, il a détruit le corps du péché afin que nous-mêmes aujourd'hui, nous soyons des nouvelles créatures et qu'il vienne habiter en nous. Et lorsqu'il habite en nous, frères, il fait aussi son œuvre. Vous voyez? Au travers de nous, il peut sauver les autres. Au travers de nous, il peut bénir. Voyez, frère, participant de la nature divine, cela exige
ile inaomba frère ndugu une vie transformée ile maisha yenye kubadilika. Ce n'est pas une vie de quelqu'un. Aina maisha ya mtu. Aujourd'hui il s'enivre. Léo na Léo. Il revient. Aujourd'hui il pratique l'impudicité. Na kesho yake anafanya sharati, anarudi. Aujourd'hui il bat. Aujourd'hui il est anadanganya na chukia. Aujourd'hui il est chrétien. Léo est comme Christ. Aujourd'hui il est têtu. Aujourd'hui il est orgueilleux. Anakuwa tena kiburi. Aujourd'hui il est méchant. Anakuwa muele ule. Aujourd'hui il est doux. Anakuwa mpole Léo. Ça ce n'est pas la nature divine. Il aina umbile wa Mungu. Depuis qu'il est Dieu. Tangu kwa Mungu sur son trône. Asa paenzi yake. Il n'a jamais connu de changement. Ashia badirika kama sheshi mabadiliko. Il n'y a aucun changement ni aucune ombre de variation. Banasema ndani hakuna mabadiliko hata kimvuri ya mabadiliko. Quel est ce père là? Ni baba gani yule? Il ne voudra pas. Ashita penda. Que ses enfants lui ressemblent. Batoto yake bamufanane. Oui, il y a un père qui ne voudra pas que ses enfants lui ressemblent. Ndio kwa baba bengine abata penda batoto yake bamufanane. C'est un père ivrogne. Ni baba mulevi. C'est un père impudique. Ni baba musharati. Parce qu'il va dire à ses enfants. Comment atonesha batoto yake? Il gronde ses enfants. Ana bafokea batoto yake. Mais lui-même il fait ça. Lakini yeye mwenyewe anafanya ile maneno. Mais le père saint. Lakini baba mtakatifu. C'est qu'il veut de nous. Il anapenda kutoka sisi. Tel que nous partageons cette parole. Ni tusheri tunashirikia neno. Bien aimés qui nous suivent et qui vont nous suivre. Wapendwa watatufuata na ku television. Sache très bien. Ajue vizuri. Et si nous sommes fils du Père. Ya kama tuko wana wa baba. La nature divine. Umbile wa Mungu. Nous sommes porteurs. Tunakuwa wenye kuchukua. Porteur de la sainteté. Il est utakatifu. Car le Saint-Esprit en nous, frère, ndani yetu ndugu. Le Dieu saint en nous. Ni Mungu mtakatifu ndani yetu. Et même sur la terre. Na vile vile hapa hii dunia. Qui sommes nos frères? Tunakuwa wanani ndugu. Les hommes ne verront pas. Watu wataona. Mais dans le monde spirituel. Lakini mulimwengu wa kiroho. Ils savent très bien. Banajua vizuri. Même quand tu passes. Hata kama unapita. Que ça. Banasema ule. C'est Dieu. Ni Mungu. Incarné dans l'homme. Mwenye kunyanya ndani ya mtu. Qui passe. Anapita hapa. Alléluia. Amen. C'est une lutte, frère. Inakuwa ni vita ndugu. Il faut fuir la corruption qui est dans ce monde. Inabidi kukimbia kuharibika kunako ndani ya dunia. Par la convoitise, dit la parole de Dieu. Kupitia tamaa neno ya Mungu inasema. C'est la convoitise qui entraîne les gens dans le péché. Tamaa inasukuma watu ndani ya dhambi. Je vous l'avais déjà dit, je vous le répète. Mimi nakusha kuwaambia na mimi narudia tena. Ne cherchez pas à être. Usitafute kuwa. Cherchez à devenir. Tafuta ukue kwa ukweli. Alléluia. Amen. Je vous l'ai dit. Minemionesha. Devenir comme notre Créateur. Ukwe kama mumbaji wetu. Regardez. Tazameni. Chercher à vouloir être. Kutafuta kuonekana. Beaucoup tombent ou plutôt abandonnent même leur nature pour revêtir la nature du péché. Wengi wanaanguka na wanacha umbile wao wanavaa ile umbile wa dhambi. Je veux être comme tel. Minapenda kuwa kama mtu fulani. Je veux avoir ce que tel a. Minapenda kupata kitu fulani kile ule mtu konakyo. Écoutez. Tazameni. Si Dieu est en moi. Kama Mungu ndani yangu. Ce n'est pas moi. Aina mimi. Qui doit chercher. Minapenda kutafuta. À avoir quoi que ce soit. Kuwa na chochote. Parce que Dieu est en moi. Kama na Mungu ndani yangu. Il va faire de moi. Atafanya mimi nikuwe. Même ce que je veux. Ata ile minapenda. Cherche à ce que Dieu fasse de toi. Ce que tu fais, tu veux. Tafuta Mungu yeye afanye wewe ukue kile yeye anapenda. Que de chercher à obtenir quoi que ce soit. Kule utafuta kupokea chochote kwa nguvu. Ou par ses moyens. Wala kupitia manamuna yako mwenyewe. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs. Wandugu na wadada. Nous voulons décoller, aller plus loin avec Dieu. Tunapenda kwenda mbali kabisa na Mungu. Atteindre des niveaux, tel niveau, tel niveau. Kupata maatua ya juu ina juu kabisa. Laissez-moi vous dire que ceci est peu de choses. Acheni nimeonyesha kwamba hii ni maneno kidogo. La première chose qu'il faut comprendre. Kitu ya kwanza inabidi kuelewa. C'est d'abord. Ni ya kwanza. Cette base spirituelle. Hii msingi ya kiroho. Dont l'apôtre a enseigné. Ile mtume alifundisha. Notre premier pasteur, l'apôtre Pierre. Mchungaji wetu wa kwanza mtume Petro. L'homme doit chercher d'abord à devenir et non à être. Mutu anapasha kupenda akue na kuliko ya kuonekana. Devenir akue comme kama celui qui m'a appelé, qui m'a envoyé dans ce monde. Yule aliniita na kunituma ndani ya dunia. Parce que kwa sababu je ne suis pas sur la terre pour faire ma volonté. Mishi na papa dunia juu kufanya mapenzi yangu. Le Seigneur l'a répété. Bwana alirudiria. Je suis venu dans ce monde, ô Dieu, pour faire ta volonté. Mina kuja ndani ya hii dunia, Mungu tu kufanya mapenzi yako. Sa volonté, mapenzi yake, qu'elle soit contraire à mes désirs. Na ikuwe hata kinyume kwa ile mapasho yangu binapenda. Qu'elle soit dure. Ikuwe nguvu par rapport à la mienne. Kufuatana na yangu. Je vais me soumettre. Mitati à sa volonté. Tajinyenyekeza kwa mapenzi yake. Le Seigneur a prié.
Bwana aliomba parce que la volonté de Dieu comme na mapenzi ya Mungu était qu'il puisse souffrir ilikuwa ni apate kuteswa mais alakini quelque part pardon quelque part c'est mon moja il y a des sentiments qui sont venus en lui kuna mania ilikuwa ndani yake il dit anasema s'il est possible kama inawezekana que cette coupe s'éloigne de moi iki kombe ende mbali nami mais alakini non pas ma volonté apana mapenzi yangu mais ta volonté alakini mapenzi yako la volonté de Dieu mapenzi ya Mungu beaucoup de gens n'aiment pas cette volonté wengi hawapende ile mapenzi avec l'évangile qui a dominé beaucoup de gens na injili inakuwa inatawala watu wa mingi leo on pense que dans le Seigneur tout doit être en rose banafikiria kwamba ndani ya Bwana biote binapaswa kupaka vizuri dans la volonté de Dieu tout ne doit pas être en rose mu mapenzi ya Mungu ina sababu biote bitakuwa paka vizuri si Israël était ici kama Israël alikuwa hapa il dirait que insiste alipaswa kusema mukaze tena mchungaji. Il pensait qu'ils vont passer par un raccourci pour hériter Canaan. Barifikira kwamba batapitia kunjia mfupi njoo kupata Kanana. Dieu dit non, non, vous passez d'abord par. Mungu anasema mtapitia. Par le désert. Kupitia jangwa. Où il y avait l'eau de Mara. Kulikuwa maji ya Mara. Fallait rencontrer l'eau amère. Inabidi kutupata ile maji machungu. Fallait rencontrer la soif. Inabidi kupata ile kiu. C'était la volonté de Dieu. Ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Dieu leur enseignait sa volonté. Mungu anawafundisha mapenzi yake. Pourtant nous les humains aujourd'hui. Na sisi wanadamu leo. Et beaucoup dans leur tête. Na wengi mukicho yabo. Pense que. Banafikiria kwamba. En tout cas il faut qu'on m'acclame. J'ai besoin seulement des acclamations. Inabidi paka banishangilie mimi nahitaji bantu banishangilie. Non non Dieu voudra aussi. Hapana Mungu atapenda pia. Qu'il y ait des oppositions. Ukweli maupinzani. Peut-être. Hein? Sa zingine. Comme les apôtres. Kama wa mitume. Ils se retrouvent en prison. Anachukuta mugereza. La prison ça va encore. Gereza inakuwa mzuri tena. On tue un apôtre frère. Banaua mutume ndugu. De quel trempe? Asema wa atua gani? Jacques, Yakobo, on les tue. Banamua, on tue Étienne. Banamua Stéphano. Je crois que les gens de ces jours allaient dire. Mina mina batoa isi kubatasema. Non non, Jésus les a déjà quittés. Apana Yesu shakubacha. Comment est-ce que Jésus peut laisser les tuer? Namna kani Yesu anaweza kuacha bauwe. Comment est-ce qu'on peut les fouetter comme ça? Namna kani batoa pika fimbo hivi. La volonté de Dieu. Mapenzi ya Mungu. Et pourtant Étienne. Na kwa kwa Stéphano. Lorsqu'il mourait. Wakati alikuwa anakufa. Dieu ouvre ses yeux. Mungu anafungua macho yake. Les coups de pierre. Asema ile mbegu anampika mawe. Les blessures et la douleur. Asema ile machungu na maumivu. Dieu ouvre ses yeux. Mungu anafungua macho yake. Il voit le ciel ouvert. Anaona mbingu wazi. Il déclare je vois le ciel ouvert. Anasema mimi naona mbingu wazi. Et le fils de Dieu. Na mwana wa Mungu. À la droite de la majesté. Asema kumkono ya ume ya baba. Alléluia. Amen. C'était sa parfaite volonté. Il connaît mapenzi yake timilifu. Qu'Étienne et Stéphano puisse partir. Apate kwenda. Et il avait achevé sa mission. Na aribaliza kazi yake. L'évangile. Injili. Qu'Étienne a donné. Il est Stéphano alileta. C'était ce que Dieu voulait. Na ile Mungu alipenda. Et ça reste écrit. Na inabaki ni kuandikiwa. Par une forte souffrance. Kupitia mateso kubwa. Il rentre auprès du Père. Anarudi pembeni ya baba. Aujourd'hui. Na leo. Il écoute cet évangile. Et kuna sikiliza hii injili. L'église. Kanisa. N'est pas une chose. Aina kitu. Des gens qui tâtonnent. Ya watu wako na tanka tanka. Des gens qui. Ya watu wale. On dit chrétien. Anamuita mkristo. On vient, on vit. Anakuwa naishi. Aujourd'hui froid. Kesho yake baridi. Demain chaud. Kesho yake anakuwa kifukutu. Il reproche cette église d'Asie. Anakemea ile makanisa saba ya Asia. Tantôt on abandonne le premier amour. Wakati yako hili unaacha ile mapendo ya kwanza. Voyez? Mnaona? Et de l'autre côté, na, zingine, on va s'attacher à des doctrines sales. Balaam, na, na madini, doctrine de Balaam, Nikolai, madini ya Balaam na Banikolai. Des doctrines il madini, de Jézabel. Ya Jézabel. J'enseigne toutes ces choses. Mina fundisha kile maneno yote. Mais beaucoup ne comprennent pas. Na be, ba minga baelewe. Ce n'était pas tout. Aina yote. Et il fait encore. Anenda tena. À une autre église, il y avait Pergame, Thyatire, Smyrne. Asa Pergame, Thyatire na Smyrne. Il reproche encore une autre église. Anakimeta na kanisa ingine. Rappelle-toi comment tu as entendu. Ukumbuke vile unasikiliza. Et garde. Na chunga. Sinon je viendrai, j'enlèverai les chandeliers. Bila yon takuwa natatosha munara. Les autres. Wengine. Il écoute. Anawasikia, anasikia. Mais il garde pas. Na abachunge. Toutes ces choses. Il et à la fin. Na mwisho. L'église de Laodicea. Kanisa ya Laodikia. Ni froid. Anasema. Ni bouillant. Aiko baridi, aiko joto. Parce qu'il fait froid. Kwa maana kuko baridi. Je vais aller en retard. Mintenda nyuma ya wakati. À l'église. Kukanisa. Non, j'ai beaucoup de problèmes. Apana, niko na mambo ya mingi. On ne laisse jamais Dieu derrière. Aba mwachake Mungu nyuma. C'est lui qui le laisse derrière. Ule anamwacha nyuma. Viendra le chercher. Atakuwa kumtafuta. Et s'il est devant. Na kama yuko kumbele. Je te rassure. Na mimi nakuhakikishia. Frère. Nduku. Tu marcheras dans la victoire. Utatembea muwezo, mushindi. Alléluia. Amen. C'est la première partie. Ni sehemu ya kwanza. De notre enseignement. Ya mafundisho yetu.
Nous allons continuer. Tutaendelea. La semaine prochaine. Siku ijayo. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous bénisse. Aussi. Mungu abariki neno yake na mibariki. Merci, we love you. Repentance is now when it's